ce qu'on a fait, droite, gauche. Droite, gauche. On va faire droite, gauche, gauche, droite. Droite, gauche, gauche, droite. Pas de chute, hein, on place juste la jambe en barre. Droite, gauche. Droite, gauche. Gauche, droite. Vous avez vu qu'avec un tout petit peu de vitesse, ça part tout seul. Mais on n'en est pas là, hein, pas de la chute. C'est d'ailleurs de chute sur un tempo différent. Ce tempo-là, on peut le faire sur plein de mouvements. Simplement, en combat, ça se fait très très vite. L'idée, c'est de partir sur un tempo qui n'oblige pas forcément à une technique, mais qui peut générer une toute autre technique en fonction de comment va réagir le partenaire. Au départ, je fais droite-gauche, mais rien ne dit que la réaction du partenaire soit cohérente avec ce que j'ai envie de faire par la suite. Donc je peux très bien, hop, repartir dans l'autre sens, si j'estime que à une fraction de seconde près, ce n'est pas cohérent. Là, simplement, ça va me permettre presque d'attendre, de voir sa réaction. Je le mets en tension. Droite, gauche. Et je continue. Gauche, droite. Ok, on essaie. Attention à respecter le premier le départ, c'est ici. Hein. Il ne faut pas, parce que c'est à Yotoshi, pour commencer tout à zéro et faire ça en quatre temps. C'est droite, gauche. Gauche. Ok, on essaie, merci.